Bonsoir, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir à la Fondation Thaly à Bruxelles. Et je vais parler français parce qu'on est dans une ville, un contexte francophone. Je suis très heureuse de participer avec la Fondation Thaly au John Giorno Poetry Day. John Giorno, c'est vraiment un artiste qui me touche profondément et que j'admire et que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le cadre d'une exposition au Palais de Tokyo il y a quelques années et qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée. Alors, pourquoi on est là ce soir avec la Fondation Thaly? Eh bien, on est là parce qu'on a été invité d'abord par Jean-Max et Jean-Max Collard, qui est à l'initiative de ce festival incroyable sur les écritures contemporaines. Et en fait, on a, avec la Fondation, mené une performance incroyable qui a duré 11 semaines, une performance de lecture à voix haute de poésie pendant le confinement, à l'initiative de Barbara Pola à côté de moi ce soir, qui devait venir à la Fondation ici à Bruxelles, dans ce lieu, pour faire une nuit blanche dédiée à la poésie, qui n'a pas pu se faire. Et Pascal Barret a pris la main en disant « on le fait quand même ». Et ça a duré 11 semaines. Ça a été un élan incroyable, suivi par beaucoup de personnes, je pense 6000 personnes, des podcasts et un livre. Un livre Equinox, un livre qui s'appelle Equinox et qui s'appelle aussi Le Cercle des Poètes apparus. Et un mot sur cette fondation que j'ai créée en 2013, qui en 2013 n'avait pas de lieu. C'était l'idée de soutenir les artistes dans leur projet de création, très lié à des thématiques sociétales. Et donc, on a ouvert ce lieu plus tard, en 2018, à Bruxelles, qui est un lieu qui est une maison, en fait. C'est pas du tout un white cube. Je sais pas si vous le voyez, mais je pense difficilement. Mais en tous les cas, c'est une maison qui appartenait à une sculptrice italienne avec un atelier magnifique. Et en fait, l'idée, c'est de partager, de transmettre et de faire l'idée d'une transversalité sur tous les médiums, à savoir les arts visuels, la performance, mais aussi la littérature et bien évidemment des expositions et des résidences d'artistes. Donc voilà, on est très, très, très heureux d'être là avec vous et on est très heureux aussi de participer à ce projet de poésie performative. Ça va durer 2 heures avec des lectures incroyables, une liste incroyable, très internationale de poètes, mais pas que. Et je laisse la parole à Barbara Pola, qui a construit ces invitations et cette liste de poètes qui vont nous lire ce soir leurs textes. Et voilà, merci. Merci à vous. Thank you, Nathalie. And thank you to your incredible Fondation Thaly. This night is in homage of love. John Giorno, Lord of Poetry and Love. Poetry that John Giorno invented and reinvented again and again. This night is in homage of life. Frailty and power of life. Ugo Rondinone, maybe you listen to us. It is for you, Ugo, and for all of us who live love in poetry. Thank you to all of you, the poets. Thanks to life, thanks to love, thanks to John Giorno, thanks to you, Nathalie, and thanks to you, Pascal. Okay, let's start now. Welcome to our, the world connected to poetry. And Pascal,
Pascal Barret, vidéaste, qui va organiser la soirée et nos temps de lecture. Merci Pascal. Merci. Bonsoir. Eh bien, merci d'être venu et de retrouver en présentiel la plupart des personnes qui nous ont suivis pendant 11 semaines. Voilà, moi aussi, je suis très contente de participer à cette journée de John Jono. Voilà, je pense à The Death of William Burroughs et Thanks for Nothing. C'est des performances que j'ai beaucoup, beaucoup regardées. Voilà. Donc, en fait, je commence ce soir. Donc, nous avons 26 personnes invitées. Donc, ça va à peu près durer deux heures, je pense. Et le principe, c'est qu'à chaque fois, j'invite la personne pour lire, qu'il soit sur Zoom en ligne, à distance ou ici tous ensemble. Alors, la thématique de ce soir est fragile. Et je vous confie que je me sens très fragile. Et donc, parfois, la fragilité tétanise. Et je n'ai pas réussi à proposer un texte pour ce thème de la fragilité. En fait, vous allez voir un court extrait d'une vidéo que j'ai réalisée il y a 15 ans, une vidéo performance. Et avant ça, je voulais partager un texte, puisque la poésie n'est pas que beauté de mots, mais aussi beaucoup de sens et d'actes. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir un texte qui sera édité lundi, qui a été écrit par Marie Cosnet, Maria Cogadiani et Camille Louis. Voilà. Et je m'empresse de vous le lire. Donc, j'en lis des extraits. Nous avons de la place pour la construction des refuges vivables contre l'emprisonnement et la mise à mort. Dans la nuit du 8 au 9 septembre, le camp de Moria sur l'île de Lesbos a pris feu. Ce qui est surprenant n'est pas que ce soit arrivé, mais que ce ne soit pas arrivé avant. Dans une Europe devenue forteresse pour s'immuniser, les îles côtières grecques sont transformées en prisons à ciel ouvert. Le contexte de la crise sanitaire n'a fait qu'empirer le pire. Nous savons qu'ils préparent de nouveaux camps fermés, comme nous savons depuis des années ce qui se passe dans les hotspots et les jungles. Il faut multiplier les guillemets tellement les barbelés ont été multipliés. Vivre dans la fin du monde est une temporalité bien particulière. De partout, tout ce qui s'énonce, c'est la catastrophe, la destruction des écosystèmes et des formes de vie. La douleur est là. Elle est dans les quartiers populaires, dans les cultures à pesticides, elle est dans les corps des soignants, des femmes de ménage aux contrats externalisés, des caissières, des éboueurs, la misère en milieu étudiant, des êtres qui échappent toujours aux listes. Mais si la douleur est là, il est toujours possible de penser que l'immonde n'est pas à notre porte, mais loin et ailleurs. À Lesbos où les enfants dorment dans un cimetière où il y a un siècle, dans les camps pour les juifs, les gitans, les anormaux. Vivre dans la fin du monde est une temporalité qui peut parfois laisser penser ou faire croire qu'il n'y aura pas de jour d'après. Ce jour d'après où nous devrons dire « nous n'avons rien fait car nous ne savions pas ». Nous savons, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est à nouveau en son sein des camps où des gens vivent dans des conditions invivables. La Grèce n'a pas l'exclusivité des nombreuses personnes, demandeurs d'asile en quête de refuge, dans les villes et dans les campagnes des pays du nord de l'Europe et qui vivent dans des conditions invivables. Il faut énoncer et il faut des actes, non pas tant des actes magiques, sacrés, qui sortent de nulle part en réitérant un sujet illuminé, mais des actes qui prennent le relais d'autres actes, agissent dans la pénombre et réinventent la lumière, le luxe de l'espoir. Hashtag Wir haben Platz, nous avons de la place. Ces mots ont résonné dans les rues de plusieurs villes en Allemagne, dans les premières manifestations qui ont suivi l'annonce de l'incendie à Moria. Ils sont arrivés jusqu'ici, jusqu'à nous, ce nous précaire, en formation, fragile et fragilisé, en expérimentation. Nous est encore là et parle plusieurs langues. Hashtag « Nous avons de la place ». Le 13 septembre, une initiative des étudiants en école d'art en Grèce a demandé aux autorités universitaires d'ouvrir des locaux vides dans plusieurs îles. Le même jour, l'initiative hashtag support art workers, qui est à l'initiative surgie
pour contrer les ravages du milieu culturel et artistique en temps de pandémie, a interpellé le ministère de la Culture, les théâtres municipaux, les écoles des beaux-arts, les festivals, des gens dans le privé qui gardent actuellement leurs infrastructures vides dans l'espoir de retravailler, d'ouvrir leurs locaux pour accueillir ceux et celles qui en ont besoin. Un fantôme ne vient jamais seul. Plusieurs spectres entrent aujourd'hui cette vieille Europe, celui de la défaite, celui des nouveaux camps, mais aussi peut-être le luxe qui fait la communauté contre l'immunité privée et privatisée. C'est toujours le bon moment pour désespérer, il n'est jamais trop tard pour agir. Rejoignez-nous sur les réseaux, sur les actions, multiplions les réseaux et les actions, multiplions les mises en réseau de nos réseaux, de manière souple et tentaculaire, laissons pousser les champignons. Hashtag, nous avons de la place. Voilà, Marianne Cosnet, Maria Coccagiani et Camille Louis. Je sais pas. Ah voilà. Maintenant, nous allons rejoindre une personne qui est à distance sur Zoom. Et donc, il s'agit de Greta Bellamacchina. Et donc, Greta est actrice, poète, réalisatrice et modèle. Hello. I'm going to read two poems about the journey of mourning and how mourning is kind of a continual symbol of hope when everything feels broken. The first poem is called In the Morning, Penelope. The first together is the morning itself,
the marrying wish of dew, the first dance of the grass, renewed like a child's clock. The grass sings to the window, come down to the sky field, come down and rewatch the calypse, come down, Penelope. The early light, unaware of the low hum that entwines the mood of the air, strangely worshipping in high memory cries. And we remember the ghost better in the morning, the rising light that is always a grace on the backs of the things you love, scattered through the house like Lego. The bed remains ancient in its ritual of worship, a personal attack against strangers, made up of its own Trojan wars, hung up in literature undebated. It is easy to believe that it is a privilege to grow old in the morning and that age is young and all that is above will remain immortal, regardless of loneliness. The last 60 seconds of morning. Thunder first, locked up in Babel, rain-eyed gods on their backs. You stand in the forefront, black ribbon angel headless, four standing roses and a background of wind spit. You died in America for the last time, Jason Molina holding all of the horses, behind the last slip dawn rain. I cannot live in a place that doesn't save its people in time. I cannot live in a place that doesn't live out its own odyssey. So the myths are paralyzed. The myths are luminous riddles. The horses are all full. The saints are blood cannons. Love is a vacuum mist. A showed weekend of dreams on repeat, a distant screen to both worlds, a second think to the running light. 10 seconds where morning is at one with daytime, clasping in the change of lightness, lugging the stones of womanliness, peaking and popping when everything breaks. 10 seconds where morning is at one with daytime, a spine of patter, a direction that needs no explanation. Downwards to the earth, a curtain of chances, a slide of swan dance swaying in animal timing. The last joy to morning is the memory that the animals are laughing. Grasping forward, they escape. Light continues to slide out. The gods are asleep now, and far away, a preview of reflections borders the world. Night is lowered today, and the actors arrive, worrying their costumes. Thank you. Eh bien, c'est au tour de Céline Fribourg, qui a créé les éditions Tech Five, qui écrit elle-même et qui édite donc des livres. Good evening. I'm going to read two poems out of a series of poems that I wrote about cracks. And it's in French, but the idea is not to forget that light is going through every crack. Faille de Silfra, faille des fées, tranchée béante à mer ouverte, tes plaques tectoniques se chicanent en flottant, dérivent à la surface. Notre manteau est aussi notre sol. Un abîme s'ouvre sous les pas de nos consciences, le souvenir de cette rupture imprimée sur mes rêves. Tu n'es pas seule à subir l'aimant. Nous portons tous en nous une fêlure, tous funambules sur ta crête, pour localiser le tremblement, il sévit sans préavis. La terre se fend partout. Nazca,
47, 8, 100, 20, 74. Quel équilibre possible sur ta dorsale en désordre. Antarctique, 63, 0, 115, 90, 24. Sable émouvant de magma matriciel. Pacifique, 63, 0, 1, 0, 7, 40, 64. Nos certitudes affleurent à la dérive. Eurasie, 56, 112, 40, 23. Surf sur le rift de la dérision. Afrique, 56, 74, 0, 0, 29. Nos fonds océaniques à peau de zèbre, trépident avant de s'effondrer. Antarctique, 63, 0, 115, 90, 244. Faudra-t-il tresser une passerelle entre les continents pour combler ce fossé néo-volcanique entre les êtres? Amérique du Nord, 2, 5, 86, 0, 0, 21. Un nouveau monde muant de l'ancien monde. Amérique du Sud, 25, 4, 124, 60, 11. Une détresse axiale s'empare de nos repères. Philippines, 39, 0, 36, 70, 90. Croûte contre croûte. Arabie, 45, 2, 4, 40, 54. Ton plasma se diffuse sauvagement. Coco, 24, 5, 115, 81, 50. Que faire de ce musée géologique à ciel ouvert? Caraïbes, 25, 0, 93, 10, 21. La vapeur qui sourd de la mousse réchauffe à peine mes doigts. Mon cœur réverbère la roche brisée. Palpite, je plonge au cœur de ta faille, insatiable. Sa froidure me pénètre. Je me trémousse au rythme de ta subduction, ondule à la cadence des collisions. Vibre en contemplant gésir, je me faufile dans l'apesanteur de tes champs de lave ocre, de prêtresse novice d'une cathédrale transparente. Captive consentante, aigle marine liquide, je m'engouffre plus profondément dans ta brèche pour me dissoudre éperdument en mille éclats ardents, étincelles dans ton interstice. Votre poème aussi sur un autre type de faille, la cicatrice. Soudain, mes yeux tombent sur ton torse, la cicatrice. Mes pupilles amarrées en diagonale à ton ourlet organique, agrafe. Fin serpent cruel en lisière de l'âme, trajectoire vibrante, ligne de peau blanche, rose ou chair, couture somatique, balafre vibrante, trace glorieuse d'une guerre cellulaire, surjet. Source de curiosité infinie, ce sillon délicat d'un abîme prescrit fascine. Fêlure dessus, foulure dessous, chair de l'esprit, souvenir de la violence à sa surface, point de Blair Donati, témoin muet, implacable, presque géométrique, d'une souffrance salvatrice, dextérité d'une main prestidigitatrice, suture. Guérison miraculeuse, corps vaillant, empreinte de ta force, douleur vive écorchée, transmutée en joie. Catgut. Frontière pastel aux éclats de résilience, édifiée pour célébrer la sagesse, sacrifice de l'innocence. Toi. Toi. Être recousu, enfant prodige, éclairé contemplatif, super-héros. Fissuré magique, point simple. Merci. Merci. Now we welcome Kendall Gears. Is he here tonight? I'm online. Oh, are you online? Okay. I'm online. I'm in Milano, so I can't be in Brussels. Kendall describes himself as an animistic activist.
Thank you very much. I'm in Milano for an exhibition, so I couldn't be in Brussels. And the poem I'd like to read tonight, I have great honor to be presenting during this evening because it's an homage to William Burroughs, Brian Geisen, and John Giorno. And especially, you know, the Burroughs concept of language being a virus. And it's a poem about four-letter words. The poem is called, and poem is a four-letter word. The poem is called Love is a Four-Letter Word. I love you to need me to want to love to hate to need to fuck you to love. I hate to need you to love to need to hate to fuck me to love. I want to love to hate you to want to hate the need to fuck with love to love me to hide my love to fuck to need to want to hate to be me. My love, you make me love to make love, to hate to fuck, to need you, to love you. I try to want you not to need to make me make love to your mind, to fuck your need, to want to hate to fuck your body. You have to make me have to love to kill time, to need to want to fuck you, to need you to fuck me, to love you. To hate, to hurt me, to make love, to fuck you. I want to fuck, so fuck your need, to want, to fuck, to love you, to fuck me, to need, to want, to hate, to lose me. So I have to love your love, to need, to love, to make love to you, to hate, to love, to need, to fuck, to love you. You need me, to need you, to take you, to fuck me, to hate, to need, to love you. To want, to need, to fuck you. And still, you want, me to want, to need, to fuck, to love you, to hate, to lose you. So we take time to make love, to need, to want, to fuck, to hate, to lose the need, to live, to love, to fuck with love. So we lie to stay in love with love. We know we need to know how to love, to know what to want to love, to hate, to fuck with love, and lose our fear to know what is love. I kiss your scar, to know your pain, to need to want to love, to hate your love, to need to want to love me more. I feel that pain, to love the need to fear, to lose the need to love, to feel the need to make love, to want to need to hate less, to fuck with love. So to hurt the love you love to make love with. I pray you hear my call. To need to want to find the love I need to give your scar my love, the need to fuck, to want to fuck, to lose yourself in love, with the need to fuck. I kiss that scar, to need to love, to fuck, to want to heal your fear, to love your pain, to hear my need, to make love, to love your mind with my body. We take time to fuck, to find the need to love, to want to make love, to know when to love and when to play and when to play with love and what to fuck with. We love to love, what to love. When we live to love to fuck, to know how, to when, to live, to love, to fuck, to hate the need to fuck, your need to want to stay in love. We take time to make love, to lose the fear to fuck, to know when to make love, and fuck the fear to fuck, to lose the pain, to feel the fear, to grow in love with a need to love, the fear to fuck, to love. Your body is my scar to kiss, your fear, my pain to feel, your love with my fear to fuck, the need to feel, my dear. Don't hide your fear to ride the scar, to find the hope, to love, to lose the need to fuck, to love, to live, to know when to fuck and what to feel, to know how to make love, to feel free to love, to fuck free from love. I feel the fire from your lips when I kiss your scar. You hold dear my fear to love, to hunt and fuck, to need to know when to hold on and when to lose my need to lust, to fuck, to live, to love and hate, to last for fuck's sake. The tears that flow, that fire that burns the scar to heal the pain with a need to know when to fuck and how to burn and how to kill that game of love. I find I want to flow like hell in time to heal,
to hear your need, to love me, to need to fuck your scar, to find your pain, to feel my love, to want to fuck you, to feel your lust, to live, to love, to make love, to need my need to feel free, to fuck, to want to lose your mind, to find your body in love with pain, to fuck, to need, to want, to love and be in love with love, to fuck with my need to want to fuck, to find my love, to need to want to live free. I mind your fear to kiss your scar, to feel your love, to love, to hate, to fuck, to kill the time, to play with my need, to want to pray, to lust, to live, to fuck, to fuck love. I'm a fool to love that hate, to lose the need, to want to make love, to live, to love, to make love, to want to fuck, to heal your soul, and kiss that scar, to show how to love, to fuck, and how to love, to make love, to love. I have to love, to hate, to fuck you. You need to want you. So fuck me, to make me more like you. I know you want to kill my lust, to help you heal your hate, to fuck, to feel your scar, to grow and live, to love, the hunt to know me, with fear to love you. I hate to be like you. I have to be in love, to like, to love, to fuck. I need to live, to love, to fuck, to make love, to fuck, to feel free. Fuck it, fuck the fear. You have to hate, you need to want, to need to love me, to hurt you, to make me feel the need to love you, to fuck and lose yourself in me. I love you, you fuck. Amen. Thank you. Love is a four-letter word. We welcome Robert Montgomery from London, I think. Hello. Hi. Tonight we're in Venice. Oh, okay. we just arrived in Venice, and it's very interesting because the last time I was in Venice was the first time Barbara Paula met John Giorno, because I haven't been here since 2011, and me and John Giorno were in the same exhibition during the Biennale, and I think I'm right that that was the night Barbara met John Giorno and we saw him perform and we both fell in love with his poetry. So it's a nice circle to be back in Venice tonight. I'm going to read from Billboard poems that I put on the street, and I'm just going to read a random selection. When we are sleeping, aeroplanes carry memories of the horrors we have given our silent consent to, into the night sky of our cities, and leave them there to gather like clouds and condense into our dreams before morning. People scattered like rain across the landscape of America are so separate from each other and lost, they will turn to anything they can recognize for solace. Like fast food drive-ins with their signs lit up so pretty in the night, or movie stars, or war. The spectacle of advertising creates images of false beauty so suave and so impossible to attain that you will hurt inside and never even know where the hurt comes from. And in all the pictures now, the famous people have already begun to look lost and lonely. The flood will lift the ghosts from the Hollywood Lawn Cemetery, and they will disappear like ether in the new dead air. All the names will be erased from the billboards and the theaters and the piers and the magazines and the monuments. All the names will be erased. You live by myths of immortality, and your myths are not safe. There is no changing of the season in the electric city, and no real darkness. The street
is illuminated all night with orange light, and the concrete is like a carpet. We have dreamed the street as a room, and it has become true. There is no indoors or outdoors anymore. This is the best way we have found to live, and we make everyone in this world of new privilege slaves to false ideas of God and comfort. And waking up every morning is a wrench from the dream state into the paranoid new mind, and we are still sad and lonely in a world of glass. Pictures of happy people grinning and dancing, days when you can't even stand the weather or the sky, little medals and flags hung up, bank statements, objects with traditional names repeated by television presenters, questions put to celebrities, conversations about journey times and other falsifications of reality. Push away all this. Reach into your memories of blind milk for magic. Blank your mind with lightning, fire, and blood, and push away all this. Thank you. Allô, voilà. Thank you, Robert. Now we welcome Sarah Riggs. Sarah is online too. Hello. She's artist, Hi. Poet, and writer, filmmaker. Sarah. Hi, everybody. I wanted to start with a little anecdote, a Buddhist anecdote about a little boy who's looking for solutions. And he looks to the right and the left and straight ahead and behind, and everywhere he looks, he's looking for solutions. And then the wise man says, but you need to know the question that you're asking. And I think that the question that I've been asking is, can we transform? And this is, est-ce qu'on peut se transformer? This is my poem, Murmurations, which is the title of my new book in French, but I'm going to read it in English. Murmurations. I've seen flocks of birds switch directions, nearly simultaneous to the microseconds. I've heard scientists explain it, but today I'm not interested in scientists unless they can explain the human soul, how it sits and waits, waits, hovers behind its body that is so utterly washed, fed, cooled, and heated. How far is it from love? Who tells us we are animals and reminds us what kind of animals we are? I see as many planes as birds from my skylight in Brooklyn. Are we a species meant to fly? Things have always changed. The dinosaurs went extinct. People built the pyramids. Rome fell. What has swallowed us whole? Industrialization and tech? The unaddressed trauma of slavery and our founding genocide? Today, I listen to an indigenous prophecy that the female intuitive powers of the South will rise up to meet the destructive male forces of the North, the eagle and the condor.
I try not to be essentialist, except that at our daughter's school, there are 20 green dragons taking out air conditioners, doing clothing swaps, making an edible garden, mostly women from Europe, and one male director who moves as he must with the flock, and we are birds in our hearts. Shifting directions, learning how to move together differently, that we are far from the earth and its life and need to heal. Some women in Ecuador have formed a spirit circle. They are holding the earth sacred. I've heard many say we need to fight, how many years we have left, ignoring the voices of all those we have trampled on to make our towers. I have noticed something. This is the time to transform. Individuality is overrated, lonely, really. These amazing women are holding out their hands, asking us to stand shoulder to shoulder. And so it happens. We as a species shift directions with the breath of our poems. We won't leave you behind. Thank you. Thank you, Sarah. Thank you. Janet Biggs. You are online too. Hello. Janet is a film and performance artist. Thank you. I just want to say that I am reading this tonight with a heavy heart for the loss of Justice Ruth Bader Ginsburg and for the future of the United States. Fragility curve, a statistical analysis of a structure's ability to withstand a seismic shift, like an earthquake, fracture, or deep rupture. The place where the line breaks. When the earth has had enough of us and structures succumb to the laws of physics, when humans succumb. Sometimes the bearing walls don't hold. Sometimes you simply need to kick them out. In physics, once the initial state is identified, you can run a matrix to determine a future state or analyze for the past. But how does one identify the initial state? Thoughts fly through space and time, sometimes alighting like a whisper of what could have been, of a past promise never realized, and sometimes falling, crashing to earth with the weight of lungs collapsing and a future few can bear. I kept a journal when traveling in the Arctic, a record of time spent, but it became a record of time disrupted, destabilized. We were at 80 degrees north aboard a two-masted schooner built in 1910. The ship had been refitted with a steel hull to withstand the Arctic ice. We had lowered sail, carried north by the ship's engine. It was a gray, dusty day, just the faintest light coming from the sun as it hung on the horizon. You could hear the sleet hitting the water. With a force unknown to my body, I crashed onto the deck, my ungloved hand clawing at the ice as I desperately tried to stop myself from slipping towards the ship's edge. Those not prone or sliding were running across the deck. The line breaks, the hull breaches. The ship carried survival suits that could keep you alive for maybe 10 minutes. The time experts had estimated was enough for a rescue. But there would be no rescue. We were too far north. Our satellite phones hadn't worked for days. Emergency flares would only be witnessed by those who fired them. We were on our own. Travelers in the Arctic speak of no mark left behind, leaving no evidence, no trace. Would we?
I wrote about this event on a Wednesday, and again, I wrote about this event on a Thursday. My journal contained two entries, both describing in detail how we had survived, bruised, but alive. Did it happen twice? Now with the virus, as we shelter in place, every day is the same. No dramatic events that bear repeating. I know this is only true for some, for me. I have the luck of birth, not of my actions. Others are dealing with magnitudes of impact, loss and destruction, as the ground shifts below them, bodies different from mine. In the past, when the moon eclipsed the sun, populations would hide in fear. Those who were brave enough to go out didn't dare to look up for fear that a plague would fall upon them. I hold my journal in my hand and try to remember that time in my life. I wonder if travel will be possible again, or if it ever really was. Did my footsteps destroy what I desired? What would it be like to leave this earth, to look back with a new perspective? How does the recognizable become unrecognizable? When do you no longer recognize yourself? Thank you. Thank you, Janet. Alors maintenant, nous allons entendre Rhonda Mada, qui est avec nous ce soir. Je te laisserai présenter l'auteur, parce que j'aurais peur d'écorcher son nom, donc... الشجرة التي تصير شجرة التوت التي عند باب البيت أمسكت يدي وهي تمضي صوب مدفأة الحطب قالت كنت أسرق ظلك دون أن تنتبه والآن إلى الجمر أسير أحدق بظلك تبصر الشجرة التي تصير رحبة صيف أفتح الباب على مصراعيه لغيمة سبيحة في حضن الأفق عصافير كثيرة ترفرف حولها وتحط بالقرب مني لترتاح قليلا أو لتنقل بعض حبات قمح أفلتت من فم المطحنة أشرع نوافذ البيت كلها أثقب الجدران أنهر كل الستائر والحجب أصلي لأول مرة في عمري المأخوذ بالصدأ أصلي سائلا من قيل لي أنه أعلى من الغيم بسلم هل زفرت صوبي وأيقظت فضول الغيمة هل رسمت لها طريقا تحاذي شرفتي تركض الغيمة إلى وجهة غامضة قصية لا تذرف دمعة على جسم سنبلة يابسة ولا تلقي التحية لها زرقة في المدى ولي أن أكمل حفر بئر فقد ترجع الغيمة عما قريب وأكون وجهتها الغامضة القصية ربطة شعر لم يكن شعرها فالتا في الحقول رغم أن القمح ينمو كثيفا فوق كفيها لم تدس مرة أرض السؤال عن السبب كان يكفيها كلما فتحت شفتيها أن تطير سننوة صوب أحلامها لم تسرق من الليل نجمة حين غفت وما حلمت بغير قميص جديد أخف قليلا من الريح وربطة شعر كتلك التي تلف ضفائر ليلى حمراء مشغولة من حرير وما حلمت بغير الحقيبة وكراس رسم وإن ظل في الليل متسع ستحلم من دون قصد بأن ترتدي حذاء أقل جراحا وأن تحفظ أغنيات التراب فلا تتلعثم وان اختلطت أحرف الكلمات وفاض
على شفتيها الصهيل بأكثر مما تحتمل. وحين يهم المنام بأن ينسحب تكتفي بربطة شعر حمراء مشولة من حرير يحملها الجنود إليها. صباح الخير يا ابنة كل أشجار الوطن، صباح الخير يا وشماً على وجه الحكاية. ما شئنا أن تفيقي من الحلم قبل أن نزين شعرك، ولكن نبع ماء هنا، حقل تبغ هناك، وفلاح متعب سد علينا الطريق، وما أبقوا لنا غير سحابة في الأفق نرفسها لنطل من شباكك المفتوح للشمس. مخالبنا ترتب خاتمة الأمنيات، تمنحك الموت دون عناء، ولن نحرم الدمع عن أعين الأم والأصدقاء. هديانا بلا حد، هديانا كأحجار الرخام، وسائدة من ريش النعام تحرس غفوتك الأخيرة. فنامي مطمئنة البال هدئة الأحلام، وإن شئت أفيقي الآن وشعرك أحمر، أفيقي الآن وكراس رسمك أحمر، أفيقي الآن وفيض من الأحمر في كل صوب. لم يكن شعرها فالتا في الحقول، كانت تلفه بربطة من ورد. لم يعرف أحد كيف لشعرها أن لا يكون فالتا في الحقول. ميرسي. Merci, merci Rhonda. Nous allons entendre Sarah Goss, qui je pense connaît Rhonda pour avoir pratiqué la même école à Paris. Et donc Sarah pratique l'image imprimée, l'illustration, la bande dessinée. Bonsoir. Le texte que je vais vous lire est un texte que j'ai écrit après l'explosion du port de Beyrouth, le 4 août, le mois dernier. C'est un texte qui a été aussi traversé par toutes les émotions qui m'ont traversé pendant ce mois-là. Donc il a été remanié jusqu'à la semaine dernière. Ta plainte, la mienne. Le naufrage était civil quand je suis arrivée. Des orages capitonnés, intérieur coton, extérieur laine. Une musique utérine, matrilinéaire, lancinante. Bonjour, bienvenue. Vous êtes arrivée à bon port. Nous sommes heureux et honorés de vous accueillir. Pas d'inquiétude, madame. L'état du lieu définira la devise. Ici, souffles aspirés, s'il vous plaît. Là, naissances actées. Merci. En bas du ventre, un portail. Jusqu'au plexus, pulse. Brise légère, expire à bas pouls. Adhérence. Interface noire, oxydée, cycle, bicycle, atlas corps à terre expérimental, combustible. Ta carte se dérobe sous les volutes des cigarettes Sidar, compose avec des visages rieurs et des ongles rouges vernis. Une plage derrière la piscine. Rapproche-toi, là. Plus près de la mer, mais y du cœur. Cet été, tu accuses, es accusé, ta plainte hors de toi, ta plainte, la mienne. Plie des pieds les jambes, observe le drapé du tissu, étreint la punaise qui pique. Ouvre la porte, les affaires posées, grave la pellicule dans la toile, une tentation. Démangeaison, gratte. Dérangée, cristal. Grise, cristal.
À la vitesse de la lumière s'ajuster, plis et replis immunitaires, sans flash, cristal. Allô, ambré. Éthéré, double. Éternel, embrasé, face feu, caméra. Vieux souvenir d'une conclusion caressée par l'écume, vrombissement de turbine, ruine d'un débarquement. Déplacement circulaire entre la victime et son bourreau. Vérifie tes sources, route fortune, frotte ta peau. Roule ton gras entre tes deux doigts. Laisse aller tes humeurs et tes pensées de tes pores à la mer. Notification, ta mousse redescend aux enfers. Ravages portés en images, haute résolution. Aucun mot, un appel. Quelque part entre le subito de la chute et de son double, scénarisé, il a fallu quelques dates avant qu'elle n'atteigne l'écran, la cabriole. Il a fallu la vie en diagonale, se prolonge, les clichés de félicité domestique dans une valise. Il a fallu dans l'autre, les vivre. Slalomé entre les nuits, la lueur du crépuscule esquissera ton sillage. Merci. Merci Sandra. C'est au tour de Frank Smith qui est également en ligne avec nous. Donc Frank est auteur, réalisateur, vidéaste. On ne t'entend pas, Franck. Vous m'entendez? Très bien. Ah. Je vais donc commencer par lire un texte de John Giorno qui a été publié en français sous le titre « Hier soir, j'ai joué avec ma rage et j'ai perdu » dans un recueil paru aux éditions Aldante, « Il faut brûler pour briller » et ça a été traduit par Julie et Jean-René Etienne. Tu es allongé devant la télé à surveiller le répondeur automatique du téléphone quand il sonne et je ne veux pas te parler parce que je sais ce que tu veux. C'est un grand pas en avant que d'écouter ses amis appeler et de les dissoudre un par un. Je préfère errer tout seul dans le bar d'eau, la chaleur du sexe, être concentré, gras de bacon et sang. Et peu importe si tu aimes être là ou si c'est bon pour toi, tu dois rester là, tu dois rester là, tu dois rester là, tu dois rester là, tu dois rester là. C'est une période à se tasser, pas de poursuites héroïques ou de nobles efforts, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire affaire. Et je veux le frapper au visage. Je veux lui remettre mon poing dans la figure une dernière fois. Parce qu'à un moment, il faut être pragmatique. Et je ne veux entendre personne me parler de solution. Et je ne veux entendre personne me parler de solution. Et je ne veux entendre personne me parler de solution. Et je ne veux entendre personne me parler de solution. Elle ne marche pas. Tu es sur attente et tu essayes de le passer au lavage et au rinçage, de l'emballer pour l'expédier. Et quand je n'ai rien d'autre à quoi penser, j'aime bien penser à ce que tu as fait de travers, ce que tu as mal fait et comment je te le dis pour me débarrasser de toi. Et j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un comme ça à qui penser. Et j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un comme ça à qui penser. Et j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un comme ça à qui penser. Et j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un comme ça à qui penser.
et j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un comme ça à qui penser. Je suis remonté plus haut que le coude, je vais jusqu'à l'épaule, gros, et le laisse dedans, et je crois que tu peux faire avec. Apprends-moi les bonnes manières, dis-moi comment être poli, donne-moi envie de te l'étaler sur la figure. Donne-moi envie de te l'étaler sur la figure. Donne-moi envie de te l'étaler sur la figure, sur la bouche et le nez et les trous, drastique et désespéré. Et ça ne devrait pas être fatal. J'aime les vidéos de ce genre qui vous font sentir bien, une intimité profonde, une tendresse prolongée qui vous ruine à force de générosité, qui vous ruine à force de générosité, qui vous ruine à force de générosité. Je fais la queue avec mes provisions au supermarché et je veux sortir sans encombre. Et je veux sortir sans encombre. Et je veux sortir sans encombre. J'aime boire de la vodka tout seul, seul chez moi, en fumant de la dope. Il n'y a rien de plus grisant. Il n'y a rien de plus grisant. C'est tellement désespérant, tu ne peux même pas imaginer. Alors tu veux te faire tendre, tu veux te faire doux, parce que quand tu le fais souple, tu peux rentrer la main des chasseurs d'attaque, Boeing F-18 qui volent en formation et visent au-delà du digital, tire les canons souverains, tire les canons souverains, tire les canons souverains, tire les canons souverains. Tire les canons souverains. Hier soir, j'ai joué avec ma rage et j'ai perdu. Et puis, pour terminer, je vais vous lire un sonnet extrait d'un recueil qui s'intitule « Pour parler », publié l'année dernière, avec en collusion des dessins de Julien Serve. Et ce sonnet s'intitule « L'homme est en vie ». L'homme est en vie et l'homme est au monde. L'homme naît au monde par ce qu'il dit. Il n'y a pas de monde pour l'animal qui ne sait pas déchiffrer. Il n'y a pas de monde pour l'animal qui ne peut guère le dire. L'homme parle et pense l'être à la mort. L'homme parle et pense, c'est l'être au monde. Le monde est le poids de la vie et la vie est la puissance du monde. Le langage ne dit pas le monde, il écoute ses propres inventions, il ne dit que lui-même, il le dit de sitôt et pas de commission. L'homme est en vie et l'homme est au monde, ou bien le monde change l'homme, ou bien l'homme perd le monde. Merci. Merci Franck. Maintenant, j'invite Nathalie Guyot. Non ? Ah bon, je pensais que c'était qu'elle était après Franck. Donc, Carole Douillard est en ligne. Ouais. Bonsoir, bonjour, Carole. Vous m'entendez ? Oui. Donc, Carole est artiste, performeur. Et plasticienne. Tout à fait. Bonsoir à tous et toutes. Je vais vous lire un court poème que j'ai écrit dimanche 13 septembre autour de 16h58. Et je vous propose, pendant la lecture, d'avoir en tête, si vous connaissez ces images, les corps figés de Pompéi. Les corps arrêtés dans leur course. Donc, c'est un court poème qui s'appelle « Je pense à Pompéi ». Un jour, je scrutais le feu et pensais à Pompéi. À l'idée de tous ces corps arrêtés dans leurs gestes, tout d'un coup, me vint une question. Et nous-mêmes, allions-nous un jour arrêter notre course ? À quel moment allons-nous ralentir jusqu'à nous immobiliser? Et quelle sera la pensée qui nous fera nous dire
qu'il vaut mieux maintenant nous figer, ne plus bouger et nous taire, pour écouter enfin, écouter le vent, les cieux, les champs, observer les teintes et les aspérités, tâter le terrain. Il est escarpé et il faut emprunter un boyau de rocaille pour pénétrer un peu plus en son cœur. Mes pensées parcourent maintenant ces espaces exigus, fins, où l'on peut à peine se faufiler. Je ne comprends pas comment j'en suis arrivée là, mais je comprends qu'il est temps de ne plus m'agiter. Tout m'y invite. Le tremblement du monde, les vibrations des ailes des quelques papillons que je vois encore virevolter, les quelques sons que j'entends, des cris, des inquiétudes criées. Alors donc, je m'arrête. Et dans cet arrêt, je ressens mes bras, mon pouls, je ressens mon souffle, ma peau, cette enveloppe qui me permet depuis si longtemps d'habiter le monde. Mais je ne comprends plus ce monde. Il s'évapore, il s'évanouit, il devient brumeux. Brumeux comme un épais nuage dans lequel finalement je pourrais peut-être me dissimuler, me cacher, une fois pour toutes disparaître. Mais à quoi bon disparaître et pour où surtout? Car si je disparais ici, il faudra bien que je réapparaisse quelque part, mais où? Je tergiverse. Et puis j'entends une voix. Elle ne crie pas, elle appelle doucement, elle m'appelle. Une petite voix fragile. J'ai du mal à comprendre ce qu'elle me dit, il me semble qu'elle parle dans une langue que je ne connais pas ou que je ne reconnais plus. Que dis-tu? Mais que dis-tu? Pas de réponse. Merci. Merci Carole. Merci à vous. Merci. We welcome Ali Kazma. Hello Ali. Hello. Hi. I think it's question. It's about concrete. Your proposition. Yes, it is. Well, I thought concrete would be a very good match for fragility. So here we go. It's from a text I've been working on for a few years. And here it goes. In an area just under 14 square meters, Le Corbusier's cabin in Côte d'Azur had a sitting area, a toilet, and a sink. The furniture consisted of a bed, a table, and some storage. Cabin Corbusier is the smallest of the architect's projects to be added to UNESCO's World Heritage of Significant Architecture, Feature and Design. Some of those making the pilgrimage to the site are clearly captivated by the inverse relationship existing between the modest habitat and the grand projects that were nurtured there. The cabin measures 366 by 366 by 226 meters in strict adherence to the anthropometric modular system Corbusier developed. The height of the cabin is based on the height of a 6-foot man, 183 meters, with his arms upraised. Its other dimension, 366 meters, is twice the height of the same man. The modular is a system which strives towards the molecular organization of things built to the scale of man. In this system, man literally becomes the measure of all things. The modular numbers are produced by a liberal use of human proportions, golden ratio, and the Fibonacci series. Only 15 of these numbers were l'habitation in Marseille in 1952. The building, conceived as a self-sufficient city, providing its 1,600 residents with schools, shops, and recreational facilities, was one of the architect's largest buildings to be erected.
Corbusier hoped this building would serve as a prototype for his large-scale urban projects to follow. A precise version of the modular man is cast in concrete at the entrance of the building. In essence, modular was Corbusier's search for the harmony one found in music. He was looking for the architectural counterparts of notes, scales, and chords. Where most others saw heritage and human achievements in the old cities of Europe, Corbusier saw mostly chaos and oppression. He felt the cities as they existed limited and corrupted man's potential. He dreamt of purging the old cities and building everything from the ground up using steel, plate glass, and reinforced concrete. All architecture would be guided by principles of rationality, harmony, and order. The new apartments would be machines for living in a post-political and classless society run by a competent bureaucracy. Living in these cities, the new man would have no option but thrive. Like most confident and visionary adventurers of the first half of the 20th century, Corbusier thought that the time had finally come to design and cultivate the perfect society. He believed the radical steps needed for this purpose demanded a strong will and leadership. He admired both Mussolini and Lenin. When the Second World War ended, many cities in Europe were indeed in need of rebuilding. They had been razed to the ground and were ripe for the large-scale project Corbusier had cultivated all his life. Unfortunately for the article, perhaps his rigid ideology just defeated. He would never get to build the great European cities he dreamed of. Corbusier was an ardent believer in discipline and progress. Order is the very key of life, he said. With the willed optimism one often finds in architects, he wrote in 1948, only 3 years after Treblinka and Auschwitz, it's good to know that utopia is never anything but the reality of tomorrow. Today's reality was the utopia of yesterday. 183 meters, the standard height in the modular, was considered the ideal height of a European male by the architect. Only 5% of the men, and virtually none of the women in France at the time, were 6 foot or taller. Corbusier was 173 himself. Corbusier's own cabin and La Maison du Lac, which he designed for his parents and brother near Lausanne, are two of the most poetic spaces imagined for living. La Maison du Lac, right on the lake shore with a spectacular, lived most of his life at this house. The architect was troubled by the thought that his brother, who lived by the beautiful lake, didn't know how to swim. He felt this to be an anomaly, a glitch in an otherwise perfect setup. Corbusier wrote a long letter in which he gave clear and detailed swimming instructions to his brother. Symmetry of movement and harmony with water is the foundation for a good swimming technique, the letter began. Albert, who was an excellent violin player, never learned to swim despite the precise directions provided by his brother. At 77 years of age, against the doctor's orders, the great architect continued to swim daily in the Mediterranean, as was his habit. Physical fitness and exercise was an essential part, or not far from his cabin after one of those early morning swims in 1965. He is thought to have died from a stroke while swimming. Thank you. Thank you, Ali. Et donc maintenant, j'invite Nathalie Guyot à venir me rejoindre. Nathalie est donc autrice, éditrice, collectionneuse, MSN. Traversée. 20 femmes artistes racontent leur journal de confinement. La faculté que ce confinement leur a permis de créer est né un livre traversé, Équinoxe,
Equinox est une aventure collective, une intelligence, un élan poétique, solidaire, joyeux, féminin, un livre, Equinox, qui est né, une maison d'édition, Ishtar. Ishtar, une déesse de l'amour, une déesse de la guerre, de l'amour, une ambivalence féminine que nous vénérons, qui nous inspire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous lire dans cette aventure d'édition, de livres, d'élan poétique, d'échange et de transmission autour de la poésie. J'ai envie de vous lire un seul texte d'un livre que j'ai écrit, Le premier jour de l'étincelle, et ça s'appelle Silence des kilomètres. C'est, excusez-moi, un peu plus poétique peut-être, en tous les cas très intime et peut-être moins politique, très personnel. Je n'ai plus peur, je n'ai plus soif, je n'ai plus faim, je flotte loin, à plat ventre, comme une loutre vidée du trop-plein. Surgit le silence des matins monotones. Il prend forme. Il dit, en veux-tu de ma douceur féconde que renaissent les liens. Les mots fâchés, froissés comme l'aluminium, se disputent sur la page blanche en un fracas. À nouveau le silence distille son parfum dans la chambre. Sa danse marie l'ocre de l'ambre. Résilience ouvrière à l'ouvrage, évidence d'un toilettage mondial, à l'eau fraîche de l'urgence nécessité. Être à soi et moi de nos cages libérées, penser nos âmes réveillées, éclosion d'un nouveau monde roi. La nature chahutée, le bal des mondanités chahutée, oui, par un vol d'oies sauvages, l'échappée belle, enrobée par le souvenir du vide et du plein de l'enfance en pleine conscience. Crissement des pas sur le tapis des feuilles du grand marronnier, pointe alors l'aurore, traversée par le génie du vivant. Sous la voûte éclairée, nos pensées sauvages cadencent nos marches solitaires et profondes. Le yin et le yang de nos êtres vibrent et s'emboîtent, sculptent l'espoir d'une sobriété heureuse. Les arbres, fiers comme Artaban, prennent la pose massif face au vertical d'acier, totem aux couleurs cuivrées. Et nos mains, faussement tranquille, sur un papier auvergne, trace les lignes d'une humanité à réinventer. Et le vent dans nos synapses. Et le vent. L'animal règne sur l'espace, le végétal sur le temps, freine, détruit, frère, par des mots émergents. Retour des espèces attentives. Laissez-le tranquille, l'animal, se reproduire, nicher. Et le vent, dans nos synapses. Sous la fragile parc de nos pensées, un chant italien rythme les ombres duvetées de ces instants flottants. Intime. Aging. Aging. L'âge. Prendre de l'âge. L'âge agir, âge. Sur tes pommettes, l'éclat de rosée, petite fille. Tes cernes gonflées par l'âge reflètent ta sourde angoisse d'une mort programmée. Soif de savoir, envie d'embrasser
désir de comprendre, tu nous les jettes à la gueule. Rieuse, intrépide, verticale. Et puis, le genou a lâché. La hanche a cédé, les muscles ont fondu. Fragile, tu peux te casser à tout instant. La peau fine et blanche de tes mains et ces petites taches brunes comme les clous du cercueil. Tu dis que tu n'as pas peur, tu n'en parles jamais. Peut-être tu te plains un peu du temps qui passe, tu cultives ton jardin, tu rêves à de nouveaux projets. Serrer dans les bras, parler trop, et ta mémoire moins vive, tu n'y peux rien. Comme une enfant, il faut presque te bercer. Féministe, fière, tu restes, peintre du mouvement, tu guettes l'absolu. Avec ton couteau, tu grattes encore, tu déploies la matière sur la toile. Tes yeux sont comme du vif argent, et le soir, assise en tailleur, tu rends grâce. Tu traces au compas les lignes de ton prochain voyage. L'esprit tel un torrent imaginaire qui ravine le versant de toutes tes peurs. Un voyage avec pour seul bagage la pureté de ton âme. Tu es prête. Merci. Merci, merci Nathalie. Alors nous arrivons à mi-chemin de notre programme. J'avoue que je suis très très curieuse de la salle au Centre Wallonie-Bruxelles ce soir, parce qu'on n'a aucune idée des personnes qui nous font face, mais voilà, peut-être qu'on peut imaginer ou avoir un signe. Nous allons entendre Vincent Scarito, acteur, interprète, qui est aussi auteur et qui chante La Fragilité. Bonsoir. Ma fille, no more pain inside you, 'cause I'm thinking you've got it now. How to deal with your love? It's hard for me, 'cause I'm thinking those days are gone, 'cause I'm thinking those days have gone up in smoke, and I feel you now so in peace. It's heaven, it's heaven, it's heaven, it's heaven,
it's heaven. 'Cause I'm thinking of days made of you, a new man. Bonsoir à tous. Merci Vincent. Oui, bonsoir Boris. Salut. Donc, ça fait plaisir d'être entendu de Bruxelles. Je suis dans la rue à Paris. Ah. Donc c'est Boris Bergman. La poésie doit se faire dans la rue. Mais ici, on peut sortir. Hein. On peut aussi se retrouver dans la rue. On est tout proche. Donc Boris, tu es auteur. Et tu viens d'éditer chez Calman Lévy « Les corps insurgés ». Je ne vais pas vous lire ça ce soir. En fait, je vais vous lire une petite nouvelle que j'ai écrite pendant le confinement qui s'appelle « L'écharde » et qui parle d'une blessure. Parce que parfois, je pense que la poésie provient d'une blessure. Donc, ça s'appelle « L'écharde ». Je commence. Il a mal. Et quand il a mal, tout s'efface. Sa grandeur, sa superbe. Même lui subit. Il oublie ce qu'il était en train de faire. Il était en train de chercher la cause de toute chose. Mais la cause du mal est plus forte, plus primordiale que la cause de toute chose. Alors, pour s'en sortir, il cherche. Il cherche le mal. Il approche. Il veut voir. Face à l'œil, sa peau. Sa peau gonflée, gonflante. Quelque chose est en train d'y pousser à sa peau. Quelque chose germe. Il peste à voix haute. Crache même ces mots-là. Mauvaise graine à ma peau. Il faut la faire sortir, la mauvaise graine. L'extraire. Si elle persiste, prend son aise, s'établit durablement, il y a un risque. Un risque qu'elle demeure. Un risque que la mauvaise graine se confine dans les réseaux sanguins. Il faut agir, maintenant, avant propagation, il faut agir. Il commence l'opération. Rien n'est certain. Il se triture. Il finit par extraire la mauvaise graine, la cause du mal. Un minuscule éclat de bois, une écharde, s'était glissée dans sa peau. C'est là qu'il voit. C'est là qu'il voit, sur le bois, sur l'écharde, gravée, une phrase en langue inconnue. Lui qui connaît le verbe se met à déchiffrer. Après le bois enfoui en sa peau, ce sont les mots qui résistent. Les mots qui résistent à sa langue, les mots qui ne veulent pas se donner, se laisser faire. Ils font preuve d'une insolente indiscipline. Mais il finit par trouver. Il a en lui les tables après tous les livres dont la matière est tout à tous. Les livres dont la matière est tout à tous. Qu'il s'en serve, qu'il en use de ses livres, de ses pages. Il finit par traduire, traduire l'écharde, traduire la cause du mal. C'est une parole antérieure, à lui, à sa création, à son acte, à tout acte. Une formule lapidaire, la règle secrète de l'univers.
c'est elle, sous ses yeux, la formule tant recherchée, restreinte comme un jappement, un coup de langue, un cri. Plus rien n'arrivera par hasard désormais. Tout aura un ordre, cet ordre inscrit dans les chartes, par l'index qui désigne le monde, il la partagera, la formule de l'écharde. Il la répète doucement, il la chuchote, il en fait sa loi, la formule de l'écharde. Mais au fond de lui, un doute. N'est-il pas usurpateur? Reprendre une telle phrase sans en être l'auteur? N'est-ce pas de la triche? Il hésite, il regarde son doigt, il cherche la plaie, mais la peau déjà refermée, cicatrisée. C'est bien la preuve que tout est oublié, pardonné même, c'est bien la preuve. Alors, cet homme, Dieu détourne le regard. Il accepte de prétendre, de faire semblant. Il accepte de répéter les mots qui ne sont pas les siens, la formule. Mais au fond de lui, il sait. L'écharde, la formule, elle vient du mal. Merci beaucoup. Et bonne soirée à vous à Bruxelles. Je vous embrasse très fort. Merci Boris. Bonne soirée. Salut. Salut. Maintenant, nous allons entendre Nikias Imhoff, qui est avec nous ce soir. Donc, Nikias est pianiste, compositeur, et il élabore des élucubrations. Bonsoir. Alors, je vais vous lire ce soir un poème extrait d'Élucubration, comme l'a dit Pascal. D'un monde aux confins du monde, où la merveille obstinée gît aux pieds rugueux d'hommes rouges, pays d'hermine carmin où le ciel enlace les astres, où sous les mille et une lunes de la nuit, lorsque s'épousent coriandre et pamplemousse, l'ocre et la pourpre coulent. Ici, la reine seule psalmodie encore, et sur le rouleau du jour finissant, elle inscrit le palimpseste du suivant. La cérémonie des sauts impalpables s'ébroue, comme les bêtes s'arrêtant de chômer se soulèvent dans le ciel de midi, bêtes blanches dessinant ces îles démesurées, abris bruissants de songes. Aux marges haves de la vie, le havre du silence, sérail où l'heureuse caravane des nuits vient s'abreuver, se délasser et épiller les gestes mécaniques des malandrins singeant l'approche de la rosée, balai de saccades idolâtres que l'ombre régurgite. Combien douces étaient les mimiques de la princesse lorsqu'elle reprit le labeur de la parole offerte, la saisissant et la déliant de ce geste machinal jamais appris, mêlant ainsi ses syllabes au psaume blanc du sable, soliloque cosmétique des cieux, où puisent leur eau les yeux. Sous ces arbres qu'ébruite le soleil, sereine découverte d'ombres embrassées, arbres dont les branches susurrent au ruisseau l'histoire de ses sources, sources aux confins, sources du confin, fièvre fugace, abandon. À la faveur du bourdon de la fièvre, les bardes s'empêtrent, agitant un éventail de sons, ils soufflent la palinodie du vent. Une voix toujours avide parle des arbres aux ombres, plusieurs rêves s'éveillent, mais elle seule écoute les vêpres qu'elle vitupère. Sur le crépon des lagunes, à l'approche des confins, là où les chemins deviennent mauvais, éboulés, remplis de tourbe et de braise, la voix s'obstine sur la rature du sentier. Elle semble perdue, mais ses doigts lourds de paroles saisissent ce que susurrent les arbres au ruisseau. Elle est ce que la colonie a oublié au bord de l'eau sur la rive fraîche, près de l'orseil vibrant sous le sel des embruns. Elle est le silex, l'excellence sapide, le texte immense de la terre, au biais hagard. Ô combien vide l'esprit, quand bruissent les mille sources de l'élégie, les mots se diluent,
la phrase immense de la Zalaï zèbre le monde. La brume même murmure, murmure rendus à l'évidence des sous-bois par l'écho de toute voix. Alors le cœur des lèvres se releva et l'orante dit sa prière aux confins infinis, prière confins farineux où sans cesse s'éveille ce qui tarit. Merci. 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 Merci, Nikias. No, it's Hélène Leblond-Schrader. Hello, Hélène. Hello, can you hear me? Lost on my page. So these poems, they're new poems, but they surprised me. They build and reposition old texts that I used in sound installations in Gestad in 2017 and Paris in 2015. But they are very much of this week. They're about hybridization, violent transformations, forceful evolution, organ transplants, and birthdays, and volcanoes. Lava boils and beats through molten seams and splits the skin of earth open. Flow pushes the black plates in all directions. Their mat bodies skate and pile on the edge, giving way to a brilliant pool of effusive red. The sound oscillations move ground and countries, homes and animals, until their world is redistributed in a new order. The new intermingles with old, and the red molten skin dries into glass. Time seals the seam shut. Black mirrors nestle into earth and whisper to future hands. Gathered and buffed into the sharpest scalpels, obsidian is a tool that has accompanied humans from past to future. This glassy solid stretches and pools in constant, imperceptible, unstoppable movement. But these black reflections are brittle and shatter easily. Time changes them too. Igneous tools from amorphous solids, they become breadcrumbs carried downstream in time to something new. Lava comes from earth and from moons too, a chimera's mouth breathing fire. The red liquid is the parent material of obsidian, a hybrid animal, a shifting center, a liquid planet, a slipping glass. Volcanoes are old, made new, and then old again. My son walks across the dusty path, eyes down on his cupped hands. He stops before me and silently funnels tiny fists of crab apples into mine. Under late summer sun, a couple walks down the street in front of me. Their gait almost matched, his step larger than hers, but their arms swing in time like parallel bars. Their matching tattoos catch my eye. On each right forearm is a sepia outline of an open casket, a skeleton on the right and a collection of tools on the left. The ink has seeped into the skin cells, tiny octopuses spreading tentacles, blurring lines and darkening shadows. The words below the coffins have faded into bubbling memories. As I watch the arms swing forward and back into sunlight and shade, I notice that the left side has a collection of tools. He has a long rifle and a machine gun running the length of the casket, and three small nebulous structures that might be a grenade, a hammer, and a wrench. Her arm contains just one small midnight cloud directly across from the skull. I watch her arm in sunlight and shadow until her paths split. Thank you very much. Thank you, Hélène. Now we welcome Charles Moody. You're online too.
Hello, Sham. Hi. Hi. Reading an excerpt from Rick Moody's Boys. Boys enter the house. Boys enter the house. Boys, and with them, ideas of boys, ideas laden, reflexive, inflexible, enter the house. Boys, two of them, wound in hospital packaging, boys with infant pattern baldness, slung in the arms of parents. Boys dreaming of breasts enter the house. Twin boys, kettles on the boil. Boys in hideous vinyl knapsacks that young couples from Edison, New Jersey wear in shirt fronts. Knapsacks coated with baby saliva and milk vomit enter the house. Two boys, one striking the other with a rubberized hot dog, enter the house. Two boys, one of them striking the other with a willow switch about the head and shoulder, the other crying, enter the house. Boys enter the house, speaking nonsense. Boys enter the house, calling for mother. On a Sunday in May, one day one might call, describe as perfect, an ice cream truck comes slowly down the lane, chimes in, inducing salvation, and children run after it. Not long after, which big boys dig a hole in the backyard and bury their younger sister's dolls 2 feet down, so she will never find these dolls, and these dolls will rot in hell. After which, the boys enter the house. Boys, trailing after their father, like he's the second goddamn coming of Jesus goddamn almighty, enter the house. Repair to the basement to watch baseball. Boys, enter the house, sight of devastation, and repair immediately to the kitchen, where they mix lighter fluid, vanilla pudding, drain opening lye, balsamic vinegar, blue food coloring, calamine lotion, cottage cheese, ants, plastic lizard one of them received in his Christmas stockings, tacks, leftover mashed potatoes, Spam, frozen lima beans, and chocolate syrup in a medium-sized saucepan, and heat over a low flame until thick. Afterwards, transferring the contents into a saucepan into a Pyrex lasagna dish, baking the Pyrex lasagna dish in the oven for 19 minutes before attempting to persuade their sister that she should eat the mixture. Later, they smash 3 family heirlooms, the last a glass egg, intentionally. In a 2.5 hour stretch, whereupon they are sent to their bedroom until freed, each case 13 minutes after, boys enter the house, starchy in fresh shirts and flannel pants that itch so bad. From Sunday school instruction, blonde and brown locks, respectively, plastered down, but even so with a number of cowlicks protruding at odd angles. Disconsolate and humbled, uncertain of boyish things, such as shooting the neighbor's dog with a pump-action BB gun and gagging the fat boy up the street with a bandana and showing their shriveled boy penises to their younger sister, are all exempted from the commandment to love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and thy neighbor as thyself. Thanks. Thank you, Charles. Is it your work we can see on the background, on the wall? Is it how your work we see on the... Oh, we can't hear you. No, that's not my work. No, okay. It's by Rick Moody. We are related distantly. Thank you. Good, nice friendship. Thanks. No, we welcome Dana Hoy. You're online too. Hello, Dana. Hello, bonsoir. You're an artist who used photography, video, and art event. Yes, hello. Good evening. For this, I've plundered the poetry blog of the writer Rabih Alameddine, who it's called Divas of Verse.
I made some selections from that blog, which I recommend. And then I also got a poem from dear Barbara Pola. So I'll begin. The first is called Crown by Kay Ryan. Crown. Too much rain loosens trees. In the hills, giant oaks fall upon their knees. You can touch parts you have no right to, places only birds should fly to. This is Solitaire by Deborah Landau. That summer, there was no girl left in me. It gradually became clear. It suddenly became. In the pool, I was more heavy than light, pockmarked and flabby in a floppy hat. What will my body be when parked all night in the earth? Midsummer, breathe in, breathe out. I am not on the oxygen tank. Twice a week we have sex. The live girls poolside, I see them at their weddings. I see them with babies up their hips thickening. I see them middle-aged. I can't see past the point where I am. Like you, I'm just passing through. I want to hold on a while. Don't want to knot or forsake. Don't want to be laid gently or racked raw. If I retinol, if I marathon, if I vitamin C, if I crimson my lips and streakish my hair, if I wax, exfoliate, copulate beside the fish-slicked sea. Fill me, I'm cold. Fill me, I'm halfway gone. Would you crush me in the stairwell? Could we just lie down? If the brakes don't work, if the pesticides won't wash off, if the seventh floor pushes a brick out the window and it lands on my head, if a tremor, menopause, cancer, ALS, these are the ABCs of my fear. The doctor says, I don't have a pill for that, dear. Well, what would be a cure-all, ladies? Gin and tonics on summer night? See you in the immortalities, oh blurred, oh tumble rush of days we cannot catch. This is Stop Writing the Poem by Tess Gallagher. I stop writing the poem to fold the clothes. No matter who lives or who dies, I'm still a woman. I'll always have plenty to do. I bring the arms of your shirt together. Nothing can stop our tenderness. I'll get back to the poem. I'll get back to being a woman. But for now, there's a shirt, a giant shirt in my hands, and somewhere a small girl standing next to her mother, watching to see how it's done. And the last one I'll read is by Ross Gay, and it's called A Small Needful Fact. A small needful fact is that Eric Garner worked for some time for the Parks and Rec Horticultural Department, which means perhaps that with his very large hands, perhaps in all likelihood, he put gently into the earth some plants which most likely, some of them in all likelihood, continue to grow, continue to do what such plants do, like house and feed small and necessary creatures, like being pleasant to touch and smell, like converting sunlight into food, like making it easier for us to breathe. Thank you. Thank you, Dana. Et donc maintenant, on va entendre Naomi Melville, qui nous fait le plaisir d'être présente. Naomi est artiste, autrice. Bonsoir. Je vais vous lire un poème que j'ai composé tout au long de l'été, qui se déroule comme une frise d'espace en espace et qui s'intitule « Proème à l'oiseau moqueur ». Alors qu'en trombe, une translation feutrée, le pare-brise déroulait une image. Persévère vers l'horizon, dans le champ, mon esprit s'oubliait en modes indistincts. Une carte où l'œil est long tâtonne, pour reporter sur une ravine et la courbe de ses routes, des lettres immatérielles, l'impossible sensation de l'étendue d'un champ. L'antre des orteils laboure les mottes, dévide 4 pouces. 4 inches for a hand, hands triple in a foot, 3 feet for a yard, une cour,
need 200, a cable, the braid, 200 of them. The body is a milestone. Les parcelles au cordeau se défont, les lisières s'épaississent, les lisières s'embuissonnent. La diffusion du lieu forme l'espace où le premier sujet de l'étendue. Les glaçures des arbres découpent le relief comme une tiplette d'été. Une tache, presque statique, battant à la mesure le frémissement d'un corps jaune. D'abord une guêpe aux dimensions absurdes, s'avère une malfaçon de l'œil. Sur la rétine rebattue par les troncs, persiste l'oiseau moqueur, en des altitudes insubordonnées. Ni génération, ni mort, mais seulement développement et enveloppement d'un même animal. Il est 11 heures, nous sommes à pied. Le chemin sera bas pour entailler la terre et laisser retomber une coupe du monde. Strates de sable et de limon, s'effritant pour ne laisser éclore que quelques fleurs jaunes. 7363 km nous séparent, mais à forte d'orteils, une main amie, où l'ego fait visage d'une aïeul, me tend un verre profond, rempli à ras-bord d'un milkshake aux fruits pourpres et laiteux. Présent compact, matérialité de la distance, condensé de tous les chocs du voyage, des espaces maritimes, des îles gangrénées, des zones économiques exclusives. Condenser les 5 heures qu'il faudrait pour qu'il soit, de chez toi à chez moi, l'heure d'allumer les lampes et d'observer, du cercle net d'un abat-jour, l'extérieur dense d'un télégide. Comment n'a-t-on pas vu que se différenciaient les outils communs et oubliés du manger? Franchissant l'Atlantique, that the ounces were merging in the hand, that the pint would blend in its unevenness, that the gap between a cup and the bowl was getting close to zero, that between the fingers, the cutlery has been discreetly morphing. En 5 heures, nous marchons 20 kilomètres d'une boucle dentelée par les rives d'un lac. La Combe, dans l'Aude. En 5 heures, glissait un bus sur l'état boyau du Mexique et sur 2 laborieux centimètres d'un planisphère. Sa vitre préserve le vent, décachait les visages. En 5 heures, des pistes s'élançaient d'un avion pour stopper net sa course sur l'île portugaise de Ponta Delgada, à mi-chemin de l'Atlantique. Battement fiévreux, les 5 heures du matin, vers un ailleurs, et vers l'odeur nacrée du paquetage d'un mouchoir d'hôtel. Simultanément à Lyon, 2 trains entrent en gare qui affleurent silencieusement le quai en chassé croisé. L'un en provenance de Bologne-la-Croisière, l'autre, rue Livide, en retard de 2 heures depuis une ville dont on ne sait plus l'éloignement. Pas de juste distance qui sépare le souvenir. Elle pourrait être au revers d'un massif, ou à l'avers de la vitre, qu'aveugle le glissement du jour. Pèse le pas sur les picots sensibles de la bordure du quai, sur les granulés rudes de béton cellulaire qui précurent le visage du centre-ville en nuée terre. Juste poids du pied et marge de déplacement, latence du sentiment d'y être. Ponctualitaire bipède, d'une carte ou centre dans l'écran. Monade d'un troupeau de monades, bien lié. Mais rien de plus léger que le pas d'une montagne, porté par la pression des terrains vers le ciel. Dernière côte sèche qui s'éloigne du lac par capillarité. C'est à Ossos, en mai. En mars, dans l'heure, les mousses recrachent l'eau. Et la disperse, en marbre, en flaque qui empiète sur la densité graduelle des verres. Un instant, je reviens
au plat de cresson tendre, en cercle de l'assiette. Au sud, en août, les tirs sombres des épines de pin, la vie croît en verdures odorantes, et l'eau se réserve dans la corporéité grasse des plantes. Le Gard, le Gers, l'Aude, et Flores, et Puebla, la côte est. Arc précoce, à l'heure où le ciel se concentre en bleu. Alors qu'entrons-nous, nous translatons le feu. Merci. Il y avait quelqu'un, il n'y avait personne. Nos histoires ont toujours débuté comme ça. Beaucoup, nous avons joué ensemble, beaucoup. Un, deux, trois, réastrologica. Il n'y avait personne que le bon Dieu. Nos histoires ont toujours débuté comme ça. Beaucoup, nous avons joué ensemble, beaucoup. Nous avons joué à cache-cache. L'un d'entre nous a toujours compté un, deux, trois. L'un d'entre nous a toujours déposé ses mains sur ses yeux. L'un d'entre nous a toujours caché ses yeux sous ses mains. Toujours, l'autre d'entre nous est allé se cacher. Se cacher derrière les arbres, dans le noir, à l'arrière-cour de la maison des grands-parents, dans le bassin bleu-azur, dans la maison de tonton. Au fond de l'armoire sombre, dans la chambre de mémé, derrière le mur mitoyen, avec la maison des voisins, derrière le bolsi, embaumant des notes de jasmin. Au fond de la moisson dans la chambre de mémé, parmi ses tissus et ses vêtements qui sentaient l'eau de rose, nous jouions à cache-cache, nous jouions. Tu cachais tes yeux, je cachais mon corps, je me cachais. Beaucoup nous avons joué ensemble, beaucoup. Tu étais l'enfant des voisins du mur mitoyen. Beaucoup nous avons vécu ensemble, beaucoup. Yekibud, Yekinamud, au bout de la nuit. Yekibud, Yekinamud, au bout de des gouttes de pluie. Yekibud, Yekinamud, au bout des lettres, des syllabes, des mots, au bout des souvenirs. Yekibud, Yekinamud, au bout de la vie, au bout de nos vies. Yekibud, Yekinamud, au bout de cette vie. Yekibud, Yekinamud, au bout de tes doigts, des doigts de ces mains que tu n'utilises plus pour te cacher les yeux, ces mains que tu utilises pour tirer sur les cordes. Yekibud, Yekinamud, cette vie à prendre, cette vie à négocier, cette vie à exécuter, cette vie à exécuter, cette vie qui n'est qu'une vie, cette vie que tu prends de tes mains, une vie de quelqu'un d'autre, toujours l'un d'entre nous est quelqu'un d'autre, une vie quelconque, sans l'odeur de la rose, sans les notes de jasmin, sans le mur mitoyen, sans le jeu de cache-cache, sans le mémoire, sans toi ni moi,
jouant, criant ou extase, via imaginer, via jouer, via dessiner, vie innocente, insouciante, yé qui goûte, yé qui naboute, yé qui naboute, de tes mains, la vie que tu as prise. Yé qui naboute, j'ai continué à jouer, à cache-cache, j'ai compté seul, je me suis caché, je me suis perdu, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé derrière mes mains. Tu as pris une vie, deux vies, trois vies, des vies. Yek, do, se, ikinabut. Nos histoires ont toujours débuté comme ça. Au bout de cette vie, il y avait quelqu'un, il y avait personne. Résilience. Merci. Nathalie van der Linden, qui est auteure, cuisinière et maman. Poète. Voilà, bonsoir, merci d'être là. Merci à Halley pour ce magnifique poème. Donc, je suis Nathalie van der Linden, j'habitais à San Francisco pendant 7 ans et je viens de rentrer pour vivre à Bruxelles. Et le texte que je vais vous lire, c'est en fait un texte que j'ai écrit durant le confinement là-bas et que j'ai terminé cet après-midi parce que j'aime bien en fait lire des trucs qui sont très frais, enfin, ou alors qui sont un peu un mélange de vieux et de nouveau. Et ça s'appelle « Ça tourne ». J'ai rencontré des solitudes. Et nous avons prétendu défier la loi de la peur un instant, en nous masturbant aux quatre coins du monde. J'ai rencontré des solitudes, j'ai rencontré d'autres solitudes. J'ai joui sur des mots et des images qui bougeaient dans ma main. J'ai rencontré des corps fragiles qui, comme moi, cherchaient la vie plutôt que le chagrin. J'ai rencontré des corps entiers qui voulaient se déverser en moi. Même s'ils ne demandaient pas de l'amour, c'est l'amour que ces corps cherchaient. C'est l'amour que ces corps cherchaient dans le creux de ma bouche. L'amour déployé sous toutes ses formes. Hi, how are you? I'm well, and you? I'm okay. I was overwhelmed last week. I'm better now. That's good. What were you overwhelmed by? Sexual desire and excitement. Are you okay? Yes, totally. Are you? Absolutely. Good morning. Hi there. I looked for you in my dream. Did you find me? Sort of, yes. When I was awake, I was thinking about touching you. Nice. Good morning. Can I be direct? Let's meet tonight. Tell me why me? You are lovely. And delicious. Delicious. I'll bet you taste wonderfully. Maybe when you finish work, I can have a taste. I'm interested. I am interested in you. Touching you. J'ai rencontré des ombres, des drames, des silences, parce que je tremblais dans mon lit la nuit,
et que le monde était vicié, alors que l'air continuait de circuler, les marées de descendre et de monter. Tout bougeait, sauf nous, paralysés dans notre pourriture. J'ai rencontré des fantômes, âmes, parasites, poussières d'étoiles. Chaque matin, je me couchais dans mon lit et je me branlais et je pleurais et je riais, j'explosais dans ma jouissance parce que j'étais libérée du poids de la mort. Ô violence du désir, ô violence de la volupté, ô violence de l'amour qui crache dans ma paume. Des âmes se sont éteintes comme des étoiles qui crachent le sang, sauf qu'elles étaient vraiment proches de nous, si proches de nous que nous pouvions les sentir pourrir. Le vent a tourné, la terre a tourné. Désormais, tout est ouvert et toute la pourriture s'est déversée dans le trou de cul de la terre. J'ai nagé dans le lac des survivants du monde, car je voulais l'embrasser, le toucher de mes doigts, l'étreindre et l'épuiser. Mais toi, tu m'as parlé de retenue. Un peu de retenue, m'as-tu dit. Et je t'ai dit non, pourquoi? Pourquoi se retenir quand tu tombes? Car moi aussi je tombe. Je n'ai plus de retenue, je ne veux pas me retenir. Je suis dans l'urgence de l'amour et de la mort. Je ne veux pas me retenir. Mais pourquoi me dis-tu ça? Mais non, non, je ne veux pas. Pourquoi me dis-tu ça? Que dois donc Que dois-je donc retenir? Pourquoi donc dois-je retenir quoi que ce soit? Pour qui? Pourquoi? Non, je ne veux pas. Je veux vivre. Je veux vivre et n'est plus caché sous les draps de la terreur. Non, tristesse, tu ne mourras pas. Non, honte, tu ne me remettras pas la tête sous l'eau. Je te veux, je te veux, je te veux, toi. Je te veux, vie. Branle-toi sur moi. Merci, Nathalie. Maintenant, j'invite Christine Guinard, qui est auteure, photographe, vidéaste. Bonsoir. Alors, le texte, je vais lire des extraits d'un texte qui est né d'une rêverie liée à Bruxelles confinée et qui paradoxalement explosait de fleurs et de couleurs et par association Paris et l'enfance, une enfant. J'allais sur ses pas sous les tonnelles de baies formées de frondaisons malicieuses et les glycines prégnant encore leur drapé or et la vigne vierge. C'était déjà l'été sur baie et dégringolaient les roses, les jasmins, les rhododendrons, les marguerites, les pivoines, les clématites. Et B resplendissait depuis 3 mois. B résonnait du raffinement alterné des feuilles, puis des fleurs de printemps. Je contemplais les fruits déposés désormais et me laissais porter par l'odeur désirable et vagabonde, mais surtout porter le chant de B qui s'était tu soudain, juste avant le printemps, couvant ses bourgeons, sans compter. J'étais l'autre petite fille qui court dans les rosiers, on dévorait la forêt et c'était B, même le poumon contenu, nous vivions en marge et déployés, comptant sur B, qui régénérait son ciel et poussait à bout de port les oiseaux éberlués. Je les suivais du doigt et dessinais dans l'air après la vitre une balancelle. L'enfant et moi, on avait décuplé nos doigts pour compter les oiseaux par milliers. On se pliait à leur rythme endiablé. Ils savent quoi dire sur B, sur les toits, sur les fils, et tu veux répéter leur cadence. L'été venait de s'annoncer, comme s'annonce au bout de la route, une forêt. La rêverie qui m'étreint, et ces B tout entières, hésitant encore, qui décident d'intégrer mes membres,
mais nous étions cet enfant et n'avions voulu que nous refermer sur le cœur puisqu'il continue de battre et ne faire aucun mal. D'autres animaux venaient gratter la porte et la trouvant fermée, ils la mordaient, la perçaient. Une peau plus fine qu'un lys qui tente de dire « Non, attendez !» Mais personne n'attend et la peau tranchée à vif. « Tiens, meurs, toi qui n'es plus rien de vrai !» Mais sous la peau, tout était vrai. L'air chaud, son empreinte sur les vapeurs de baie, et là, les histoires revenaient. Tu étais la petite fille de la ville, mais pas de baie. La ville passait sur l'autre ville, et la rose de ton nom cherchait à distraire peut-être des grandes rues déambulées de paix. Paix quand, enfant, tu étais si fatiguée, tes jambes encore petites, et tu te disais sans respirer qu'au bout, il y a la mer. Tu racontais que tu cherchais la mer au bout de la ville, au creux du bassin infini, creusé autour de la S. Et la S se traînait, oui, jusqu'à la mer, mais tu changeais de quartier jusqu'au grand jardin du L, au milieu des rêves de cinéma et des livres déversés. Vite, tu étais cet enfant qui marche si vite dans les rues de paix, l'enfant sans savoir qui brûle la tristesse au soleil, la combustion à chaque pas comme un précipité. L'été sur B nous emporte. Il y a toujours une petite fille qui arpente les ruelles, mais au bout, c'est la mer. C'est B encore qui a clamé ce qu'elle seule perçoit du carrefour des vents, toi qui cherches l'ouverture. Et, aux quatre horizons, les langues, comme un continuum, s'échangent imperceptiblement. Les places portent le signe du continent ou de la mer houleuse selon. C'est B qui clame le caractère poreux du sol des autres et la peau au contact laisse les langues entrer. Les nuages sans cesse traversant B d'ouest en est portaient l'espoir, comme la mer vagabonde au bout de la route droite depuis B, traversant la plaine jusqu'aux peupliers. Toujours la découverte des peupliers reverdis juste avant les premiers moulins et les dunes suaves pinçaient le cœur. Il n'y avait alors qu'enfance éternelle, comme les méandres de paix grandioses, berçaient la mélancolie de beauté en musée. Petite, les matinées réchauffées au musée du L, majestueux, devant les œuvres saisissantes plantées là, devant l'enfance, et formant progressivement la possibilité d'un paysage intérieur. Pourtant, l'été sur B tournait parfois au mirage et la pluie s'annonçait tropicale. Et soudain, aux aguets des corps de bêtes infiniment petites et de l'articulation de leur vie, le gris du ciel se mêlait aux espoirs. Comme autrefois, sur P, le ciel chargé de terre avait tremblé, bardé, et le vent, rendu fou, acculait une enfant à sortir dans les rues. Les idées piquantes et sans forme encore, le creux d'une peine insinuée dans les veines, le poumon et le début du cœur. Que restait-il du ventre? Dans le bois de baie, le vent froid battait en alternance les plus hautes branches et brassant les nuages immenses, les heures étaient belles, eux tous réunis, célébrant la fin d'un repli inouï et l'ouverture peut-être aux quatre vents. Merci Christine. Alors je vois que Violaine Lochu nous attend avec impatience. Violaine explore la voix et la poésie sonore.
Merci Violaine. Babel, Babel. Donc maintenant, nous allons voir une vidéo de Shannon Plum qui s'intitule This Past Year We Live in a Breakable, Samshagel, Crackable World. Shannon is a filmmaker. This past year, the earth is a newborn in unexperienced arms. I look at my glass of wine as it somehow nears the edge of the counter. I'll finish it before it falls and be sure to refill it in a safe place. A giant tree with a trunk strong and tall lives in my Brooklyn backyard. I barely noticed it until now. We live in a breakable, smashable, crackable world. We might be kicking at the rubble of broken ideas and promises, broken hearts for generations to come. I'm an American, a porcelain doll held hostage by a bully with a hammer, a caterpillar between the fingers of a two-year-old. There are many of us. We are potato chips at the bottom of a bag, buried by pounds of packaged meat and dishwashing soap and squeezable bottles of fake chocolate syrup. Some say the American dream, some say a nightmare, many will never wake. I didn't know what life without a leader felt like. We turn in circles and cycles that keep bringing us back to the tip of our tail,
Our institutions are built on old ways of thinking, on manly ways, on wife-beating ways and master-manipulating slave ways, on the belt for punishment and a bullet for fear. We are dizzy from the repetition of history. The insides of America are rotting. Hate is thriving. The arsenals are building. And all the while, a pretty vine crept up the sycamore maple tree. We stay home more than ever. I have time to look at that tree in the backyard while diving deep into the domestic. The quiet is something I cherish. There isn't too much of it. The news, a shot of hunger from a growing boy, fireworks, car crashes. Then somewhere the quiet emerges. I coddle it. Yes, quiet. When it comes, I think of myself, the day I was born, the years I have left, the children I will miss. Then the dog barks, ferociously and enviously at a cockadoodle with two sticks in his mouth as he walks by. Concentration is sacred. Concentration in a busy household is like a head in a boxing ring. You better not think or you're gonna get punched. On the radio, the dream that inspired Einstein's idea of special relativity was about to be revealed. Then one of my children screamed, a cockroach on the bed. Sirens blared past our house. A cop chase ensued. A little black girl got shot in Brooklyn. Someone from another yard observes my tree. They yell over the fence, you know that vine could kill that tree. It'll strangle it eventually. As I admire the beauty of the vine's upward climb, I think, I've always loved vines. Time is battery operated. It has no allegiance to the sun and the moon. Time is a nagging mother behind a shield of glass. It was nice to ignore her for a little while. Quarantine with teenagers, oh, the language. My sons are cursing, I'm cursing, the neighbors are cursing, the politicians are cursing. Our patience is gone, our bubbles are constantly popping. Articulating emotions is suddenly a spitting contest. Fuck, shit, shut up, like fast food, junk food, microwave food, swear words are the fastest fix the American way. I look for a strategy to keep our family together. Catholics have 10 commandments, Muslims have 4 pillars, what does a family have? I wish I had directions dictated by a Sufi, or an old witch with a say it nice spell, or a shaman giving me a family totem to hold on to. Maybe if I wish out loud, the computer will send me an email. It seems to be listening. We need a memo on how to treat the ones we love and then how to treat the ones we don't. The vine climbs higher up the tree. I start to look more at the tree and less at the vine. I read about the trees. They can listen, communicate, and think. Trees have a chemistry a lot like ours. I look at the vine that has taken over the trunk of the tree. Like all dangerous things that have rooted in American soil, I want to eradicate the problem. I strap on my gardening gloves and arm myself with sharp clippers. Time to sever the roots of a killer. Merci. Et donc, j'invite Barbara Pola à nous rejoindre. Alors, Barbara est médecin, galeriste, commissaire, écrivaine, poète et encore plein d'autres choses. Bienvenue. Merci, Pascal. I am going to read you the last poem of this book, edited by Greta Bella Macchina, whom we heard early on. And Greta, like Nathalie Guillot, not only writes poems, but publishes poems of girls, for girls or women, for everybody. And so it's the last poem of the evening. It's the last poem of this book. And Greta was talking about the last 30 seconds of the morning. And my poem is about the last hours of a life. The night my mother died. The night my mother died, she looked at me so seriously. I should have understood. That's not what she wanted. Not morphine, not this waiting, no last sigh, although there were 3 of them.
The night my mother died, I should have called Murat long before these three sighs, and have him play bouzouk, and have him play canoon all night long. My mother loved the music, and she would love Murat. She loved beautiful men, loved the music and freedom, and singing all along. The night my mother died, something died in me. I would prefer not to be there in family. The night my mother died, she looked at me so seriously, I should have understood that's not what she wanted. So I called Murat, and he brought his bouzouk, and he brought his canoon, and his beauty, and his voice, and he sang all night long, and I danced on the terrace for the life she gave me, for the joy and the music. And she went her own way with Murat in her eyes, with the music in her ears, the night my mother died. She looked at me so seriously, I should have understood. That's not what she wanted. We weren't serious at all. The stars pulled down for real. The icebergs melted down. And the music was so loud that none of us heard these three sighs, not even her, the dying angel. And the next morning, when they came to get her, the morticians, I didn't feel to flee. Murat's music took my hand, paved the way, closed my eyes, freed the tears. She was gone. Merci Barbara. Merci à tout le monde. Voilà, nous arrivons au terme de notre soirée. Et je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Nous remercions aussi les mystérieux visiteurs au Centre Wallonie-Bruxelles pour le Festival Extra. Merci.